toute société de transport écrit son histoire au quotidien. C'est un énorme puzzle qui s'assemble, une course contre la montre qu'il faut gagner jour après jour. Et puis, il y a l'histoire particulière d'Eutraco. Eutraco est une société qui est née en 1967, créée par la famille Evans, dans la région de Roulers. En 1998, elle a créé la société Eutraco Logistique, basée sur Charleroi. Eutraco is sinds 2004 in handen van een familie uit het noorden en een familie uit het zuiden, de familie Patin-Ponlo. Ces deux familles ont donc développé le groupe Eutraco, à la fois en développement interne, par la croissance de son chiffre d'affaires de clients existants et d'acquisition de nouveaux clients. Sinds 2006 hebben we verschillende acquisities gedaan, zowel in het noorden als in het zuiden. Dans le nord, par exemple, la société Maas qui a été rachetée, ensuite la société Yawa qui a été rachetée, la société Luvinex qui a été rachetée. Et dans la région sud, nous avons racheté la société Altracolin, qui était une société de transport spécialisée dans le transport urgent. Wij zijn echt een typisch Belgisch bedrijf met een aandeelhoudende structuur van zowel uit het noorden als uit het zuiden. Au niveau de l'organisation, chaque partie, chaque région a son autonomie, mais développe les mêmes produits qui sont les produits, je vais dire, phares du groupe Eutraco. Dat heeft veel voordelen. Wij kunnen zeer goed transporten als logistiek met elkaar uitwisselen. De samenwerking verloopt vlot tussen die twee filialen. Au niveau du groupe, Eutraco emploie aujourd'hui 300 personnes et réalise un chiffre d'affaires de quelques 60 millions d'euros pour une flotte de 300 poids lourds et un espace de stockage de 100 000 mètres carrés. La société a développé ses activités autour de trois piliers : transport routier, logistique sur site et entreposage. Les activités à valeur ajoutée que Eutraco peut proposer dans son département logistique ou dans son département on-site sont très variées, dépendent principalement de nos clients, mais ça va d'une activité simple de stockage traditionnel. Ça peut aller en faisant de la préparation de commandes sur lesquelles nous pouvons prester des activités de picking ou de kitting. C'est de l'engineering, je vais dire, de packaging pour nos clients qui souhaitent recevoir leurs produits dans un conditionnement bien spécifique. Pour nos activités on-site, je veux dire, là, la prestation est encore plus complète, puisque nous assumons la totalité de la prestation logistique dans un centre de production. Nos clients souhaitent se focaliser sur leur core business qui est de produire, et sous-traite l'entièreté des services associés, dont la logistique. Le transport et la logistique vont donc de pair chez Eutraco. La société est active dans le secteur alimentaire, l'automotive et la sidérurgie, mais compte aussi de nombreux clients dans l'industrie du PVC et du recyclage. Et comme l'indique la couleur des semi-remorques, Eutraco est également très engagé dans la réduction de son empreinte écologique. Het groene imago bij Eutraco staat hoog aangeschreven. Wij investeren in groene trucks, zodat we heel wat minder CO2-uitstoot hebben. De laatste vrachtwagens zijn allemaal Euro 6. Iedere chauffeur krijgt bij Eutraco jaarlijks de opleiding voor veiligheid, ladingsbeveiliging en ook eco-driving. Tous les trafics inbound et outbound sont coordonnés par le biais d'un seul système, TMS, qui est directement relié aux ordinateurs de bord des poids lourds. Avec des liaisons quotidiennes vers la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie, Eutraco est un spécialiste des charges partielles et complètes internationales. Une étiquette qu'elle véhicule depuis sa création en 1967. Le transport est peut-être une course contre la montre, mais grâce à une solide organisation et une passion autoproclamée pour la perfection, les poids lourds rouges d'Eutraco sont toujours en pole position.